Ça fait pas mal d'années que j'ai l'occasion de sillonner la plupart des grandes bourses aux minéraux du monde, mais je crois que bien peu d'entre elles peuvent se targuer de bénéficier d'un cadre aussi enchanteur que celui-ci. Bienvenue en Alsace, ATM Découverte aujourd'hui à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le département du Haut-Rhin et au cœur du massif des Vosges, pour vous faire découvrir l'un des joyaux du patrimoine mondial du minéral. Mondial, car si Sainte-Marie-aux-Mines n'est qu'une petite ville de montagne d'à peine 5000 habitants, elle a longtemps constitué l'un des fleurons de l'industrie minière française et accueille depuis 1962 une bourse aux minéraux qui a su regrouper professionnels et passionnés pour évoluer et se renouveler afin de devenir aujourd'hui la troisième plus importante bourse aux minéraux du monde derrière Tucson aux États-Unis et Munich en Allemagne. Ainsi que le disait le poète Joseph Delteil, l'œil est le prince du monde. Et face à tant de superbes paysages, on comprend aisément ce qu'il voulait dire. C'est pourquoi, tout au long de ces quelques jours que nous allons passer dans cette vallée, nous tenterons de profiter de la diversité minérale que nous offre la bourse afin de nous émerveiller ensemble devant toutes les variétés parfois rares qui sont présentées en ces lieux grâce aux apports des exposants venant du monde entier. Cette balade sera également pour nous l'occasion de découvrir une autre facette du monde minéral, car si la pierre reste un sujet de passion et d'émerveillement, elle n'en reste pas moins un secteur économique permettant dans son aspect positif le développement et la survie de nombreuses populations à travers le monde, mais qui possède également un aspect plus sombre, attirant malheureusement profiteurs et faussaires appâtés par la manne financière conséquente et facile que représente ce milieu. C'est pourquoi nous tenterons de faire la part des choses en nous interrogeant sur l'évolution de la bourse depuis son origine et sur les conséquences des modifications structurelles qui l'ont accompagnée, tant pour les exposants que pour les visiteurs. Allez, maintenant il va nous falloir redescendre jusque dans la vallée pour aller assister à tout ça. Spend some time with you. I don't want to be in Cincy 'cause it smells like burning tires. I don't want to be in Cleveland 'cause the lake will catch on fire. I don't want to be in Dayton, not without a 22. I just want to spend some time with you. Fondée en 1962 par François Lehmann, la Journée des Mines n'avait alors qu'un caractère local et visait à présenter les minéraux extraits des mines de la région, estimés à plus de 150 variétés et pour beaucoup endémiques à cette zone géographique. Dès 1966, elle prend de l'importance et attire des visiteurs et des exposants venant d'horizons plus éloignés, devenant alors l'exposition Bourse Internationale qui deviendra par la suite la fameuse Bourse Internationale des Minéraux, Gemmes et Fossiles, notamment sous l'impulsion de Michel Schwab qui dirigera l'organisation de la bourse à partir de 1981 et lui donnera ses lettres de noblesse. Sous sa direction, la bourse, jusqu'alors cantonnée à une centaine d'exposants, évoluera positivement et verra sa taille être multipliée par 10, accueillant désormais près d'un millier d'exposants venant de plus de 65 pays à travers le monde et attirant chaque année près de 35 000 visiteurs. À la suite d'un changement de lieu avorté en 2012, la bourse sera récupérée par les services municipaux de la ville et se voit alors rebaptisée Exposition Internationale Minérales et Gemmes. Divisée en deux espaces distincts, la bourse minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines est séparée entre d'une part la zone minérale, regroupant près de 700 exposants et dédiés spécifiquement aux minéraux, pierres brutes, fossiles et météorites, et d'autre part la zone gemmes, regroupant près de 300 exposants dédiés essentiellement aux gemmes taillées, aux bijoux et à la joaillerie. Chacune de ces zones propose également des espaces spécifiques, tels que l'espace cristal et santé ou l'espace feng shui pour la zone minérale et l'espace joaillier pour la zone gemme. I guess this place could be a whole lot worse. They say the grass is always greener on the other side of the county line. But it's hard still to find a way.
girls, the skies are always gray. I don't wanna be in Paris, cause I don't parle no français. I don't wanna be in China with a horrifying flu. I just wanna spend some time with you. Oh, it's a rainy Sunday morning in Van Buren. The pious folks all scurry in the church. L'histoire de Sainte-Marie-aux-Mines semble se perdre dans l'Antiquité romaine. Bien que les premières mentions remontent au Xe siècle, beaucoup d'historiens s'accordent à penser que la découverte des mines d'argent qui courent dans les entrailles de la vallée daterait du second siècle avant notre ère et qu'elles auraient été exploitées jusqu'au IVe siècle avant d'être abandonnées. C'est vers la fin du Xe siècle que les moines du monastère d'Échéry recommencèrent à exploiter les ressources minières de la région avant que le seigneur local ne se les approprie et ne les exploite pour son compte personnel. Au XVe et XVIe siècle, toute la zone est truffée de mines. On en recense plus de 80 au total, dans lesquelles travaillent quotidiennement entre 2 et 3 000 mineurs chargés d'extraire l'argent natif à l'origine de la grande prospérité de la région. Mais la mise sous tutelle par les Suédois des mines au début du XVIIe siècle marque la fin de la période faste de l'exploitation minière de la région. La tentative de renouveau minier pour extraire du cobalt et de l'arsenic à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sera interrompue par la Seconde Guerre mondiale qui mettra un terme définitif à toute l'activité minière de la zone. La richesse minérale de la vallée s'explique par le fait qu'elle est située sur une très vaste faille géologique qui contribua à la formation de l'ancien massif hercynien il y a 350 millions d'années environ et qui fractura l'Europe il y a à peu près 33 millions d'années au début de l'Oligocène. Cette vaste faille était alors remplie d'eau et constituait une véritable mer intérieure entre la France et l'Allemagne. Mais à force de s'élargir, de nombreuses fractures se formèrent en profondeur et permirent à une partie de l'eau de s'infiltrer à travers la croûte terrestre vers le centre de la Terre avant de remonter vers la surface une fois saturée en minéraux. Se retrouvant alors prisonnière dans des poches qui ont fini par se surélever par la suite sous la pression du passage de la plaque africaine sous la plaque européenne, la température a fini par baisser, forçant les minéraux dilués dans l'eau à migrer vers les parois et à s'accumuler sous forme de dépôts, jusqu'à donner non seulement une très large gamme de minéraux divers et variés, mais aussi et surtout les très importants filons d'argent qui firent la réputation de la région. Derrière l'apparence idyllique de ce rassemblement, se cache malgré tout un mal qui ronge la plupart des grandes bourses minéraux actuelles. Il est ainsi important de relever que la bourse a vu son public se transformer au cours des 15 dernières années. Le remplacement progressif des amateurs de minéralogie au profit des amateurs de lithothérapie et de New Age, souvent moins connaisseurs et moins intransigeants sur la qualité, a favorisé l'homogénéisation des stands dans leur contenu
et l'émergence de nouveaux stands de plus en plus axés sur le discours marketing que sur la valorisation du minéral, ce qui a eu pour effet non seulement de voir les prix s'envoler sans pour autant que les mineurs et intermédiaires ne puissent en profiter, mais on a vu aussi les qualités générales s'amoindrir, avec notamment l'augmentation annuelle quasi inexorable des faux, teintures et imitations qui prennent de plus en plus de place sur les étals de certains exposants sans que malheureusement quoi que ce soit ne soit fait à ce sujet. Au demeurant, ce n'est d'ailleurs pas quelque chose de nouveau puisque Pline disait déjà en son temps qu'il n'y a pas au monde de fraude ou de supercherie qui produisent de plus gros gains et profits que celle de la contrefaçon des gemmes. C'est un malheureux constat au sujet duquel nous ne pouvons hélas que lui donner raison. Si certaines bourses aux minéraux ont fait le choix depuis quelques années maintenant de prendre le problème à bras-le-corps et d'assumer leurs responsabilités en interdisant purement et simplement tout ce qui ne serait pas naturel ou au moins signalé comme traité, la bourse aux minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines semble encore avoir du mal à assumer une telle position. Et bien que des efforts soient clairement faits en ce sens, sans une véritable politique de dénonciation, voire carrément l'interdiction pour les contrevenants de participer à la bourse, la situation semble aujourd'hui difficile à endiguer. Une gageure d'autant plus surprenante que la France fait partie des rares pays dotés de textes de loi spécialement destinés à éviter la contrefaçon des pierres précieuses et semi-précieuses. Nous sommes ici devant le théâtre, reconverti pour l'occasion en salle d'exposition pour les plus beaux minéraux présentés par les collectionneurs. Je vous propose d'y rentrer afin de profiter de tout ce spectacle. Thank you.
nous discutions avec plusieurs exposants l'année passée lors de notre voyage à Tucson. Et nous avions été étonnés de voir que la Bourse de Sainte-Marie aux Mines y était à ce point plébiscitée, certains allant jusqu'à clairement afficher qu'à choisir entre Sainte-Marie aux Mines et Munich, ils préféreraient se déplacer en France plutôt qu'en Allemagne. Mais il faut bien avouer que quand on voit la beauté du lieu couplée à l'ambiance si particulière et si chaleureuse qui se dégage de cette région et de ce rassemblement, on ne peut que comprendre que Sainte-Marie aux Mines soit à ce point appréciée des exposants internationaux. Ainsi, même si ce n'est paradoxalement pas forcément le rassemblement le plus lucratif pour eux, cela demeure indéniablement dans leur cœur la bourse qu'ils ne veulent pas rater. Car, au-delà de l'aspect financier, le minéral reste avant tout, pour beaucoup d'entre eux, une affaire de passion qui attise et consume l'âme de la plupart des exposants qui participent à ce festival. Pourtant, malgré ces propos un peu naïfs, ce petit tour nous aura peut-être permis au final de rappeler que le monde minéral fait travailler et vivre un grand nombre d'intermédiaires dans une espèce de grande chaîne dans laquelle chacun a son rôle et son importance afin d'assurer la pérennité de tous. Mais il nous aura permis de comprendre qu'il s'agit aussi d'un équilibre fragile et que les velléités de chacun, qu'il s'agisse des instances politiques régissant les exploitations minières ou de l'acheteur final en passant par les grossistes et détaillants, pourraient bien finir par avoir raison de toute cette machinerie si l'on n'y prend pas garde et que les appétits financiers en jeu finissent par prendre le pas sur notre passion. Gageons que la tendance actuelle du tout marketing vers laquelle nous semblons aller ne déterminera pas l'avenir des bourses minéraux et que nous n'attendrons pas qu'il soit trop tard pour nous rendre compte des conséquences d'un capitalisme qui a oublié qu'il était là pour servir la passion et non pour la contrôler ou en tirer profit. Dans tous les cas, on gardera un superbe souvenir de cette édition de la Bourse aux minéraux de Sainte-Marie aux Mines. Il me semble que Pierre de Ronel disait à peu près en ces termes « Les pierres précieuses sont des êtres admirables dans la formation desquelles la main du Seigneur se manifeste le plus hautement. » On aura eu l'opportunité, tout au long de ce séjour, de méditer plus d'une fois sur le sens de ces propos, d'en prendre toute la mesure et surtout de les apprécier à leur juste valeur. Ciao !